Bonjour, je me présente, je m'appelle Nelly Austin, je suis française et professeure de français à l'université. Donc ici, nous allons continuer les cours de français pour le niveau débutant A1 avec la vidéo numéro 44 sur l'intonation en français. Donc c'est-à-dire la manière de prononcer l'ensemble des mots, donc la totalité de la phrase. Donc il faut bien écouter, donc on a trois type de phrases différentes: la phrase affirmative, la phrase exclamative et la phrase interrogative. Donc selon si c'est affirmatif, exclamatif ou interrogatif, l'intonation va être différente et c'est très important pour le reconnaître, l'écoutez bien, reconnaître, et pour le prononcer parce que ça va vous aider dans la prononciation et dans l'écoute du français pour savoir si on vous pose une question, si on dit une affirmation ou si c'est une exclamation. Donc par rapport à la situation pour bien associer et pouvoir déduire plus facilement la situation. Donc on va commencer avec la phrase affirmative. Donc, écoutez bien, je vais à l'université aujourd'hui. Donc on reste un petit peu comme ça, mais en général l'accent tonique en français est toujours à la fin des mots ou à la fin de la phrase, mais donc c'est affirmatif, donc on le dit comme ça, hein. Je vais à l'université aujourd'hui. Il est mexicain. Donc c'est un petit peu comme si l'accent chutait à la fin de la phrase, hein. Je vais à l'université aujourd'hui. Il est mexicain. Ça, ce sont les phrases affirmatives, normales, déclaratives, affirmatives. Phrase exclamative. Allons-y! Donc, l'intonation monte à la fin de la phrase et on reste un petit peu plus longtemps. Allons-y! Viens avec moi! Donc, comme ça, exclamative, cette partie à la fin prend plus d'importance pour montrer que c'est l'exclamation, hein. Allons-y! Viens avec moi! Et ensuite, on a les phrases interrogatives. Donc, attention à l'interrogation. Tu aimes le chocolat? Donc ça monte à la fin aussi, mais interrogatif. Tu aimes le chocolat? Je peux aller au cinéma? Donc tu aimes le chocolat? Je peux aller au cinéma? Donc c'est crescendo, hein? Enfin, l'intonation est, elle fait comme un crescendo, elle augmente en fait. Donc tu aimes le chocolat? Je peux aller au cinéma? Donc faire attention à ça, hein? Je le redis une autre fois. Je vais à l'université aujourd'hui. Il est mexicain! Exclamatif. Allons-y! Viens avec moi! Tu aimes le chocolat? Je peux aller au cinéma? Donc, faut faire bien attention à ce type d'intonation, hein? Affirmatif, exclamatif et interrogatif. Voilà. Donc, on est arrivé à la fin de cette petite vidéo sur l'intonation en français. Et ça peut vous aider beaucoup d'écouter la radio ou d'écouter différentes choses en français pour pouvoir améliorer l'écoute. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!